Donc, voilà. Je disais que l'être humain a quatre besoins: vivre, aimer, apprendre et transmettre. Donc, vivre, aimer, apprendre et transmettre. Là, j'avais fait un schéma. Je pense que je vais plutôt le remettre ici. OK. Donc, voilà, c'est mieux. Vivre, aimer, apprendre et transmettre, ça, c'est les besoins de tout individu. Donc, ce qui veut dire que ton produit, pour que ton produit se vend naturellement, tu as besoin d'identifier cela. Maintenant, voyons ça. Je vous ai fait un schéma pour vous aider à mieux comprendre ce que je veux dire. Je vais l'agrandir vraiment. Et donc, voilà. Alors, j'ai fait un schéma. L'être humain, dans ses quatre besoins, vivre, aimer, apprendre et transmettre, c'est pour pouvoir assouvir ces quatre besoins. Donc, on va utiliser la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, si on va ici, on va prendre déjà le besoin de vivre. Donc là, on est dans l'espace de survie. On commence à vivre parce que là, on est dans l'espace de sécurité. Et ici, on va pouvoir aimer parce que quand on a besoin d'aimer, on va avoir besoin d'appartenance. Okay? Donc, on est dans cet espace d'appartenance parce qu'on a besoin de ça pour aimer. Quand on va être dans besoin d'estime et besoin d'appartenance, ces deux-là, on sera aussi dans apprendre. Apprendre parce que ben, on a besoin de pouvoir apprendre et puis pour mieux s'estimer. Donc, et ensuite, on va être dans la catégorie de besoin d'accomplissement. C'est dans l'esprit de la transmission. Donc, transmission, donc héritage, tout ce qu'on va aller vers des choses beaucoup plus grandes que nous parce qu'il y a une cause et un but. Donc, on va se retrouver dans cette catégorie. Maintenant, le client que tu vas avoir, ce client est là. Ce client est dans ces catégories-là. Est-ce que le client est dans une phase de vie, de vivre ou de survivre? Est-ce que le client est là? Est-ce que le client est là dans un espace de sécurité? Est-ce que le client, le prospect est ici? Est-ce que c'est là qu'il se retrouve? Est-ce que c'est là qu'il se retrouve? Donc, ton produit doit pouvoir être identifié dans l'une de ces cases. Donc, tu as besoin déjà de comprendre ton client. Donc, ce qui veut dire que ton produit, tu as besoin de prendre le temps d'étudier quel est le vrai problème que ton produit va résoudre. Et donc, dans les vrais problèmes, on retrouve les quatre besoins. Donc, dans les quatre besoins, c'est de manière générale. Donc, on va prendre vivre, aimer, apprendre et transmettre. Ça va être dans un cadre général, plus global, on va considérer ça comme. Là, je vais mettre mission. Je vais changer la couleur comme ça. Il sera distingué juste pour que je puisse juste t'aider à comprendre. Donc, considère ça, c'est pour mission. Une mission est beaucoup plus générale. Et ici, tu vas être dans ce qui va être de l'ordre de la vision de ce que tu vas établir. Donc, l'ordre général, ici, on a les quatre besoins. Maintenant, tu as besoin de comprendre où est-ce que se trouve ton client. Et j'ai encore dans ce cercle, considérons ce cercle comme le client, okay, ton prospect. Ton prospect à ces trois éléments dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, de cadeaux spirituels, d'expériences du passé et de valeurs de base. Donc, ton client est là. Ton client a ces quatre éléments. Parfois, il y a le client qui ne va pas connaître vraiment tous ces facteurs-là. Toi, tu vas avoir besoin de l'aider à comprendre où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il veut aller. Donc, tout ça, c'est ton client. Ton client aussi a également passion, ultra-compétence, histoire personnelle. Donc, comme toi, ton client est aussi pareil. Mais maintenant, toi, où tu en es, est-ce que tu sais où est-ce que ton client est dans sa vie, dans son besoin?
dans ce qu'il cherche. Pourquoi ton client veut une voiture? Pourquoi il ne veut pas une voiture noire, mais une voiture rouge? Pourquoi une voiture rouge foncée, pas une voiture rouge, j'en sais rien, pâle? Pourquoi il veut une voiture qui a dans sa boîte de vitesse, 6 vitesses? Pourquoi le client veut une voiture plus grande ou plus petite? Donc tout ça est identifié dans l'ensemble de la personne que tu as en face de toi. Donc, tu as besoin de comprendre l'individu. Donc, j'ai fait dans ce schéma pour toi, pour t'aider à comprendre. Donc, ici, tu as le violet qui exprime ce qu'on appelle le don ultime. Le rouge, c'est la croissance. Parce que quand tu vas passer de l'étape 1, 2, 3, 4, 5, on est dans une étape de croissance. Dans une étape de croissance. Et quand on parle de croissance, on dit que la croissance est exponentielle, mais le cheminement va être linéaire. Parce que la personne, en passant dans le besoin physiologique pour faire le cheminement vers la résolution de ce besoin, il va être dans quelque chose de linéaire. Par contre, ici, il va être dans la croissance, ça va être exponentiel. Donc, maintenant, le rouge, donc, ça concerne la croissance, donc on considère cette écriture-là. Le bleu, ce sont les étapes de croissance, donc les différentes étapes de croissance. Et le client en vert. Et ici, tu as le processus. 1, 2, 3, 4, 5. Le processus de croissance, le processus de résolution de besoin. Et le rose, c'est ce qui va créer l'émotion. Passion, ultra compétence, histoire personnelle, ça va créer l'émotion. Donc, du coup, tu as besoin de comprendre, de connaître ton prospect. Alors, la vente ne se fait pas dans la précipitation. La prospection se fait dans le calme parce que tu as besoin d'avoir l'esprit tranquille pour comprendre ton prospect. Si tu veux vendre rapidement, c'était la question, une des questions de Blandine, comment faire pour vendre rapidement? Comment faire pour prospecter et sans perdre de temps. Alors, pour prospecter sans perdre de temps, toi déjà, tu as besoin d'être clair dans ta tête, clair en toi-même. Tu as besoin donc, je parlerai de ça, de ça plus tard. Donc, tu as besoin d'être clair. Donc, si tu n'es pas clair, tu ne peux pas prospecter rapidement parce que la prospection ne se fait pas dans la précipitation. Et donc, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, j'espère que tu as compris ce schéma que j'ai fait pour te montrer à l'intérieur de l'humain, donc l'humain qui est en, je l'ai écrit où là, l'humain, le client, donc ouais, on considère ce client. Le client, à l'intérieur de ce client-là, il y a un besoin. Et qu'est-ce qui génère ce besoin? C'est que ce client a un cadre spirituel, quelque chose qu'il a comme don, comme élément, comme chose qui lui porte. Le client a ses valeurs de base qui va l'aider à s'identifier à certaines choses, non pas à d'autres, parce que ses valeurs dirigent ses actions, ce qui va amener ce client à mener des actions bien spécifiques, bien coordonnées par sa manière d'être. Donc, ce qui veut dire qu'on va être dans les valeurs de base de ce client. Son expérience du passé, ce qui va lui apporter dans une partie de son histoire, les éléments marquants de sa vie qui va faire que certains choix vont l'intéresser et tu vas avoir, en discutant avec lui, il va avoir certaines croyances parfois limitantes, certaines limites limitantes et qui va l'empêcher de faire le bon choix parfois. Et donc, toi, tu as besoin d'avoir la façon d'écouter massivement, attentivement ton client, ton prospect, pour l'amener vers un résultat. Donc, ce qui veut dire que rencontrer un prospect, c'est un processus complexe. Alors, un processus complexe, mais simple. Complexe, mais simple. C'est-à-dire que tu as besoin d'abord de faire un travail sur toi pour simplifier le processus. Parce que quand tu vas rencontrer un prospect, c'est un être complexe qu'il faut rencontrer, donc rentrer, se mettre dans sa peau, essayer de le comprendre et passer à l'étape de proposition. Donc, tout ça,
ça crée le processus de prospection. Maintenant, terminons avec ça. Nous allons voir comment démarcher un client à froid. Donc, j'ai pris cette question à froid et rapidement. C'était la question de Blandine. Le client ne veut pas, ne veut pas, ne veut rien de toi. C'est la première chose à comprendre. Démarcher un client, c'est d'abord savoir que le client ne veut rien de toi, mais le client veut résoudre son problème. Le client ne veut rien de toi. Le client n'a pas besoin de ton produit. Le client n'a pas besoin de ton programme. Le client s'en fiche de ce que tu vas lui proposer de toi. Mais le client est pressé de résoudre son problème. Encore une fois, si je reviens ici, si tu ne comprends pas ton client, tu ne vas pas lui proposer le bon produit. Si tu ne comprends pas ton client, tu ne vas pas pouvoir lui partager uniquement à ce client-là, uniquement, qui montre de l'intérêt donc pour ton produit ou ton service. D'ailleurs, tu ne vas même pas pouvoir l'amener à avoir de l'intérêt pour ton service, ce qui veut dire que ça va être difficile. Troisième étape, donc, ça va faire que le client, donc, tu ne sauras pas exactement comment amener ce client vers un besoin, vers ce changement qu'il souhaite. Donc, je t'encourage à prendre la prospection de la plus simple des manières possibles, et ça se fait avec le mindset. Comment démarcher un client à froid? Je reviens. Le client ne veut rien de toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as besoin de l'aider à comprendre sa vision. Et comprendre, aider le client à comprendre sa vision, ce n'est pas en le jugeant. Ah, ben oui, je vois ce que tu as besoin. Hein. En fait, ton problème, c'est ça. Hein. Tu as besoin de ça plutôt que de ça. Ce n'est pas ton rôle. Tu as besoin d'aider le client à clarifier sa vision. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux d'abord? Que veux-tu déjà? Et ce que veux-tu déjà, ce n'est pas en imaginant ce que le client aurait besoin et de venir lui dire, écoute, là, j'ai tel produit qui va t'aider à faire telle chose. Ou j'ai telle formation qui va t'aider à reprendre confiance en toi. Sous prétexte que je sais qu'aujourd'hui, que tout le monde a besoin d'avoir confiance en eux. Aider le prospect à clarifier sa vision. Donc ça, il y a une manière très, très simple pour le faire, c'est de sortir dans le non-jugement et de pouvoir questionner pour prendre le temps pour ton prospect, tant que tu as besoin d'être disponible. Et si tu ne peux pas être disponible, la prospection va devenir très, 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 très longue. Très, très longue parce que finalement, tu n'as pas les bons outils pour aider ton prospect. Ne pas faire irruption. Ne pas faire irruption, c'est-à-dire que si tu vas rencontrer ton prospect pour le démarcher à froid et rapidement, tu ne dois pas faire irruption. Sois authentique, sois simple, écoute-toi. Authenticité, et quand je dis authenticité, il faut vraiment que tu travailles ton authenticité. Il faut vraiment que tu travailles ce que c'est être quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique. Si le prospect sent que tu veux vendre ton programme, ça va être difficile. Je vais donner les témoignages, comment j'ai fait une vente après un temps de prospection, vraiment de prospection désintéressée. J'ai eu un client, donc, et ce client, à un moment donné, on a commencé à une discussion de coaching, un échange de coaching très simple, très courtois, authentique, simple. Et j'étais vraiment dans vouloir chercher le moyen de l'aider à clarifier sa vision, sans chercher à promouvoir mon produit ou à en parler de quoi que ce soit. Dans un premier temps, on en a discuté et je lui ai partagé quelques éléments de mes contenus gratuits, que ce soit vidéo et podcast. Et puis, ben, il y a une de mes vidéos qui l'a parlé. Et puis, ce client,
qui lui a parlé. Donc, ce client a voulu m'envoyer un mail. Waouh, mais ça, ta vidéo m'a vraiment parlé. Je sens que moi, ça m'interpelle. OK, voilà. Et je dis, ah, ben, ah, c'est cool. Ben, je suis vraiment très, très content que cette vidéo t'a aidé. Après, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit plus que ça. Je lui ai dit, ben, ouais, ben, c'est génial. Maintenant, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire à partir de cette inspiration que tu as eue de cette vidéo? Donc, elle m'a dit, ouais, mais là, je pense que là, maintenant, il faut vraiment que je prenne. J'agis dans ma vie vraiment parce que là, c'est vraiment pour moi que tu as fait cette vidéo. Je dis, ah, ok, c'est génial. Et puis, on avait eu un premier rendez-vous, une première discussion, on a échangé. Donc, elle a été vraiment très convaincue de ce que j'apportais. Et puis, ben. Quelques temps après, donc je lui ai envoyé un mail que je lui ai envoyé. Donc dans le mail, donc, elle m'a répondu que voilà, pour le moment, elle se pose encore des questions, elle doit encore un petit peu attendre. Voilà. Je dis OK, c'est génial. C'est bien d'attendre si tu sens que vraiment c'est ce qu'il faut faire. Je lui dis, mais il y a aucun souci à cela. Ben, fais comme tu sens. D'ailleurs, la décision, c'est à toi qui va le prendre. Donc voilà. Fais comme tu sens. Et puis ben on s'est arrêté sur cette discussion et puis quelques temps plus tard on continue à avoir des petits échanges très simples et puis un jour ben j'ai vu que on a encore repris un autre rendez-vous. Donc c'est ça s'est fait en trois temps sur un espace d'une semaine et 2 semaines. Voilà. Et par la suite, ce rendez-vous, c'était un rendez-vous de décision. Le client était vraiment décidé de passer à l'action. Donc c'était son programme de mentorat qui aujourd'hui, mon programme de mentorat qui a 16 000 euros. Donc c'était à 16 000 euros à cette époque-là. Et puis voilà, en m'appelant, il m'a dit, ben écoute, ben, je pense rendez-vous parce que je me suis décidé. Je sens que vraiment, c'est vraiment que de la manière dont tu travailles, de la manière dont tu apportes les choses, c'est toi qui vas pouvoir m'aider. Je dis, ah ben c'est cool, je suis content et que tu aies confiance en moi. Et puis ben voilà, ce jour-là, ça s'est fait d'une manière très simple, signature. Donc voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, que le client, c'est pas en voulant à tout prix démarcher que le prospect va devenir client. Il faut avoir la patience, la passion pour le client, pour le prospect. Donc, c'est pour cela que le mindset est super important. Ton prospect ne doit pas sentir que tu es désespéré pour lui vendre quelque chose. On s'en fiche de la vente. Pour vendre beaucoup. Le prospect te dit non, c'est cool. On passe à autre chose. Donc, vous n'êtes pas là pour vendre ton produit, vous êtes là pour aider le prospect à acheter son rêve. Donc, ne fais pas irruption, sois authentique, simple, écoute-toi. Apprendre à attendre, j'ai bien dit, apprendre à attendre. Tu as besoin de développer de la patience. Et de la patience va faire que tes ventes vont aller plus vite. Plus je suis patient, plus mes ventes vont plus vite. Et moins je suis patient, moins j'ai du mal à vendre. Pourquoi? Parce que le client le ressent. J'ai eu quelqu'un qui voulait me vendre un programme. Ouais, mais le gars, au final, j'ai eu un bel échange avec lui. Parce que c'est un programme pour du web marketing, tout ça. J'ai eu un bel échange avec lui. Ça s'est très, très bien passé. On s'est bien accroché. Et puis, ben, je lui ai dit, là, au vu de mes stratégies actuelles, je ne vais pas prendre le programme maintenant, je vais le mettre pour plus tard, à telle date. Je sais ce que je veux. Je décide de ce que je veux. Je t'ai appelé parce que j'ai voulu en savoir plus. Et je lui ai dit clairement dans l'entretien, ben, écoute, je sais où je vais, mais je sais exactement ce que je veux. Voilà, je lui ai dit clairement les choses. Mais je lui ai dit, mais OK, ton programme, je voulais avoir cette discussion, mais je ne prends pas le programme maintenant parce que j'ai telle chose en stratégie, j'ai telle stratégie actuelle qui fait que je ne m'engagerai pas.
OK, ça s'est très bien passé. Il a voulu de toute façon me vendre quelque chose, me passer par toutes les techniques qu'on a, les techniques de vente, etc. Donc, de manipulation un petit peu. Je lui ai dit, mais écoute, en fait, tu n'as pas besoin de persister. En fait, je sais ce que je veux. Moi, je veux, moi, mon entreprise, je veux atteindre les 2 millions de chiffres d'affaires. Donc, je sais où je vais. Je connais mes rêves, je connais ma vision. Je dis, mais c'est la seule chose que je te dis, j'ai une stratégie actuelle qui fait que je ne prends pas le programme maintenant. OK, ça s'est bien passé, voilà. Mais quelques temps après, presque toutes les semaines, le gars, on dirait qu'il m'harcèle presque. Il fait la psychologie avec moi, donc en me posant des questions bizarres, en venant me poser des questions, me chercher par tous les moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? À force de m'écrire dans ce sens, et j'ai compris tout de suite où est-ce qu'il veut aller, moi aussi je suis un closer, moi aussi je sais vendre, je sais prospecter. Je lui ai dit une question, j'ai dit clairement, écoute, il m'a posé une question, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que c'est à moi que tu poses la question? Il dit, ouais, parce qu'il avait. Il m'a dit, ben oui, c'est à toi que je voulais le poser, je voulais en savoir plus. Je dis, écoute, il serait mieux que tu poses la question aux personnes que tu as aidées. Cette question ne me convient pas. Il persiste, etc., etc. Je les écoute. Je sais où tu veux aller. Si tu veux dire quelque chose, dis-le clairement. Donc, j'aime pas ce genre de vente manipulatoire. Et à force de me chercher, il m'a plus du tout donné envie d'acheter le programme chez lui. Et d'un coup, il a fait que mes pensées vont vers d'autres personnes. Dans un premier temps, j'étais accroché. Le premier entretien s'est bien passé. Mais dans un deuxième temps, il me harcèle tellement. C'est comme s'il veut me faire la psychologie. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu passes pas à l'action, machin? Qu'est-ce qui fait? Comme d'habitude, ce qu'on connaît tout le temps là. Ouais, mais pourquoi tu ne passes pas à l'action? Est-ce que carrément il a osé me dire, ouais, mais toi, est-ce que tu agis quand tu es prêt, etc. Ben, ce jour-là, il m'a vraiment titillé. Je lui ai dit, écoute, en fait, ma vision est claire, je sais où je vais. Si tu continues, je prendrai même pas le programme avec toi parce que je travaille pas comme ça. Donc, si je te dis quelque chose, je te dis quelque chose et je veux rester dessus. Pas besoin de me titiller. Parce qu'il commence à vraiment me gonfler un peu, le gars, parce que son objectif, c'est tout simplement que je signe. Ça, au final, ça m'a un peu énervé. Donc, le client, le prospect te dit quelque chose, et si tu comprends qu'il n'y a pas d'objection, il y a de vraies objections, qu'il te dit qu'il est clair, mais arrête de harceler la personne. Rentre dans une relation courtoise, rentre dans la simplicité de cœur avec ton prospect, et quand tu lui partages quelque chose, tu partages quelque chose pour l'aider. Et très simplement. Et c'est comme ça, moi, j'ai eu le client tout de suite à décider de signer sans que moi-même, je suis allé la chercher. Donc, tout simplement, il m'a dit que là, en ce moment, je suis en train de réfléchir, je ne suis pas, il faut que je vois encore certaines choses. Je lui ai dit, cool. Je lui ai dit, mais il est préférable, si tu sais vraiment où tu veux aller, de prendre ton temps. Quel est le problème? Pourquoi je suis obligé de faire, ah ouais, mais est-ce que tu veux réagir parce que est-ce que c'est quand tu es prêt, tu réagis, machin, etc. Tous ces genres de choses, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas avec moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime être libre dans ma pensée, qui aime faire les choses parce que je décide de le faire. Et tout le monde aime ça. Mais quand je commence à sentir, tu commences à faire la psychologie, tu commences à me faire culpabiliser, je te chasse de ma liste, je t'efface de ma liste, je ne veux pas de toi, de ton programme, parce que je ne travaille pas comme ça. Et donc, ce qui fait que cette personne, au bout d'un moment, je vais prendre un programme pour une stratégie spécifique dans mon entreprise, qui est une stratégie qui est déjà en place et que je veux renforcer, mais j'ai décidé de ne plus le prendre chez lui. Et j'ai déjà quelqu'un en tête qui fait que ben, prochainement où je décide, je vais appeler cette personne. Écoute, voilà, je veux faire telle chose. Alors, est-ce que je peux prendre un programme chez toi? Et je signe direct.
Et je ne veux plus avoir je ne veux plus de son programme. D'ailleurs, même ces mails automatiques, je ne les regarde plus. Pourquoi? Parce que ça m'a il m'a montré que ce qu'il veut, c'est vendre. Donc, comprenez bien. Apprendre à attendre. La prospection, le démarchage rapide se fait par l'attente. Quand je dis l'attente, tu ne restes pas sans rien faire. Tu prends le temps pour ton client et tu attends que ton client se décide. Mais comment le client va se décider? En le questionnement, en le questionnant sincèrement et simplement. OK? Donc, questionner, écouter et ne donne pas, donc tu ne donnes pas ton point de vue. Pas en train de dire, ouais, mais toi, tu décides, c'est quand, je comprends, toi, c'est quand tu décides, c'est quand tu es prêt, tu décides ou comment ça se passe? Ton point de vue, c'est pas là que tu le donnes. Tu peux suggérer des choses. Alors, comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Mais tu suggères. Est-ce que tu me permets de te proposer quelque chose? Est-ce que tu m'autorises à te parler de quelque chose? À partir de là, tu pourras évidemment aider et transformer ce prospect en client rapidement. Parce que c'est l'accroche qui va faire que la personne décide. C'est l'émotion. Je sens que je suis bien avec toi, je décide d'acheter. Et cette personne-là, l'exemple que j'ai eu avec cette personne, au début, j'étais prête. Je lui ai dit, écoute, tu peux me recontacter à telle date. Non, mais le gars, il est tout le temps sur mon WhatsApp en train de me harceler. Et tous les matins, j'ai un message de sa part. Et au final, je réponds même plus à ses messages. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ça me dérange. C'est pas comme si je ne sais pas ce que je veux. Je t'ai dit que je suis un chef d'entreprise. Donc, du coup, j'ai des stratégies bien spécifiques. Donc, si je te dis non pour maintenant, c'est que je te dis non. Donc, les gens, non, ne veulent rien de toi. Les gens ont besoin de résoudre leurs problèmes. Donc, si tu vois que le client veut remettre son problème à plus tard et qu'il y a une vraie raison, arrête de le harceler. Sois courtois avec la personne. Prends ses nouvelles, questionne-le, discute avec lui. Et s'il souhaite prendre un petit rendez-vous de 15 minutes avec toi pour discuter, pour parler autour de ce projet, donc tu discutes avec la personne. Ne te sens pas obligé de rejeter les gens parce que ça fait longtemps qu'ils tournent en rond, qu'ils n'achètent rien. Cela ne veut pas dire que tu vas perdre ton temps tout le temps avec la personne. Au bout d'un moment, ça peut arriver. Et je donne encore un exemple de quelqu'un qui est c'est un ami, en fait c'est une connaissance et qui voulait et jusqu'à aujourd'hui encore il va en programme de chez moi, mais il n'a jamais encore acheté. Et donc il voulait mon programme de coaching d'épanouissement, développement leadership d'affaires, donc c'est ce programme là mais à chaque fois pour qu'il passe à l'action, il me dit de l'envoyer le lien. Donc, je l'envoie le lien. Je vois 2 jours, 3 jours, 4, une semaine passée, moi, il fait rien. Je le relance. Ouais, il m'a dit, ouais, il ne peut pas maintenant, il va le mettre ça un peu plus tard. Donc, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et au bout d'un moment, je sens que son problème était qu'il avait peur de se lancer. Et évidemment, comme il me connaissait, donc il pensait pouvoir gagner du temps. Et au bout d'un moment, un jour, il m'a demandé le lien. Je lui ai dit, écoute, je t'enverrai le lien si vraiment tu décides qu'on travaille vraiment ensemble. Sinon, je t'envoie pas le lien. Là, je pouvais le faire parce que à plusieurs reprises, ça me faisait perdre du temps et il fallait que je me positionne. Il n'y a pas très longtemps qu'il m'a envoyé un message pour me remercier parce que ce jour-là, il était fâché, il m'a envoyé plein de trucs, plein de messages méchants, me dire etc. Mais je ne l'ai pas répondu aussi avec ses propres mots. Je l'encourageais, je lui ai dit, écoute, tu arriveras, tu atteindras ton objectif. Ce n'est pas la peine. Moi, je te dis quelque chose de clair parce que je n'ai pas le temps. Donc, si tu veux qu'on travaille ensemble, il faut vraiment que tu décides parce que ça fait longtemps que tu me parles de ça.
Non, décide-toi. Et récemment, il m'a envoyé un mail, il m'a dit, ah, maintenant, je viens de trouver un job, je viens de trouver un job, et je suis sûr que là, je vais prendre un programme avec toi. Donc, tu vois, malgré tout, il était fâché parce qu'il avait mal pris le fait que je lui dis, ben, je t'enverrai le lien si seulement tu décides vraiment de passer à l'action, sinon je t'envoie pas le lien. Parce que le nombre de fois que je t'ai envoyé le lien, si tu veux, va regarder dans tes anciens mails, tu le trouveras. Il était fâché un petit peu, mais je l'ai un peu montré que voilà, je suis pas contre toi, je suis là pour t'aider. Et récemment, il m'a envoyé un message pour me remercier, pour me dire que voilà, j'ai trouvé un travail, je vais prendre ton beau gars. Donc, tu vois, donc ça peut arriver que des personnes vont le prendre plus tard, mais il faut être patient. Un business ne se crée pas du jour au lendemain, ça se développe. Donc, comprenez bien que cette partie-là, apprendre à attendre. Trois choses. Donc, la première chose, c'est que le client ne veut rien de toi. L'aider à comprendre sa vision, c'est ça qui va permettre de le rapprocher à toi pour créer une relation. Ne fais pas irruption. Donc, sois authentique, reste simple et courtois. Donc, du coup, attends, apprendre à attendre. Et ça, c'est une clé, apprendre à attendre. Attends que le client te donne de l'autorisation. Demande le client si tu peux le questionner. Demande le client si tu peux le coacher. Demande le client. Et encore, je donne un témoignage encore de qui s'est passé aussi. Je me rappelle, quelqu'un a pris un rendez-vous avec moi, donc, et la personne avait peur que je le coach, que je lui parle de mes programmes, de mon business, etc. Mais je lui dis, mais écoute, mais on a pris rendez-vous pas pour que je te parle de mon programme. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est tellement bien passé dans l'entretien, okay, la personne s'est rendue compte que, wow, mais c'est top de pouvoir discuter avec toi. C'est une question que tu peux même transformer la personne la plus hostile en client par ton attitude, par ta manière de faire. Mais si tu es désespéré pour vendre à tout prix et tu veux à tout prix étrangler la personne pour qu'il paye, le problème, c'est que tu ne pourras pas. Donc, comprenez. Prise de contact. Maintenant, je vous parle comment démarcher un client à froid et rapidement. Prise de contact. Quand tu vas rencontrer le client et que tu sais que le client ne veut rien de toi, donc tu t'arranges à ce que tu attires l'attention du client. Donc, si tu veux attirer l'attention du client, il faut être bienveillant, il faut être dans l'authenticité, dans la simplicité. Il faut aller chercher quelque chose qui te rend unique pour que le client ait envie de t'entendre. Et c'est pour cela que et je parle de quand tu vas faire ton pitch. Ton pitch, moi, quand j'accompagne mes clients, je les aide à faire travailler sur leur pitch. Un pitch qui va être impactant. Un pitch, ça se fait en quatre étapes. Donc, tu as une phrase de description, une phrase de vocation. Une phrase de vocation, une phrase de description, une résolution et le questionnement. Et ça, je l'aide le client à travailler sur ça. Et moi, quand je vais faire un closing, ben, je sais comment faire que n'importe qui ait envie de m'écouter. Ça ne veut pas forcément dire que la personne va acheter, peut-être que ça, c'est pas ce qui l'intéresse, mais que la personne puisse avoir envie de m'écouter. Donc, c'est important de comprendre que vous avez besoin de la patience. Donc, tant que le client ne donne pas une décision précise, on reste uniquement sur une relation de connaissances, découvertes, questions et échanges. Oui, Louise, la clé de la prospection, c'est le questionnement pour aller chercher de l'information. C'est pour cela que je dis, la vente, c'est du coaching. Je le dis toujours, la vente, c'est du coaching. Et c'est pour cela que moi, mes clients, je les apprends à poser des questions. À leur prospect. Parce que la vente, c'est du coaching. Comment on coach? Quand on coach, on va poser des questions pour aller chercher de l'information. Plus j'ai de l'information, mieux que je vais pouvoir aider mon client à trouver en elle-même ses propres ressources pour débloquer sa propre situation. N'oublie pas, Lise, je t'ai montré le schéma d'ici. Ce schéma-là que je t'ai montré tout à l'heure, que j'ai montré à tout le monde tout à l'heure. Ce schéma-là, vous avez un individu en face de toi et cet individu est complexe. Ce qui veut dire que l'individu est fait d'un cadre spirituel, est fait d'une expérience du passé et des valeurs de base. Et l'individu a, de par ce cadre spirituel, a une passion, a des ultra-compétences, a une histoire personnelle. Et en même temps, cet individu a un besoin spécifique. Peut-être ce besoin est un besoin physiologique. Alors, imagine un prospect qui est en face de toi, qui a un besoin physiologique et que toi, tu veux lui proposer un besoin d'appartenance. Comment ce prospect va acheter ton programme? Si il n'a pas encore résolu son besoin physiologique,
et tu veux lui vendre un besoin d'appartenance, il est complètement out, il ne comprend pas du tout ton langage. Donc, le client ne parle pas le langage que tu parles. Parce que finalement, tu es en train de lui parler d'un truc. Imagine quelqu'un qui a faim, tu es en train de lui parler, bah écoute, on va faire du ski. Ouais, bof, hein, tu vois. On va faire du, je sais pas, un truc, du sport, j'en sais rien. Donc, t'as pas le bon prospect. C'est pas que le prospect ne pouvait pas s'intéresser à ton besoin d'appartenance, parce que le prospect va passer à cette étape. Mais avant, il faut l'aider à résoudre son problème de besoin physiologique. Imagine que quelqu'un a un besoin de sécurité. Donc, dans son besoin de sécurité, mais toi, tu veux lui vendre un besoin d'appartenance ou d'estime ou je ne sais pas quoi. Le prospect ne te comprend pas. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à parler le langage du prospect. C'est pour ça, au début, moi, de tout accompagnement, j'aide la personne à travailler son pitch quand il va travailler son produit, travailler ton pitch. Parce que le pitch crée une phrase de vocation, va dire exactement ce que tu fais, sans avoir à dire plein de blabla, j'ai fait tel diplôme, j'ai fait tel machin, mais vraiment ce que tu fais. Et à partir de cette vocation, tu vas pouvoir amener une description. La description fait une sorte de renversement de croyance, et le renversement de croyance va amener la personne à avoir un intérêt, parce que quand je change les croyances, les gens ont envie de ne pas rester sans réponse. Donc, du coup, ça enchaîne tout de suite à une résolution. Donc, la résolution, je vais donner le pourquoi je dis telle chose, et à partir de là, j'invite la personne en questionnant. Et en questionnant la personne, je vais avoir beaucoup d'informations, et plus j'ai de l'information, et mieux je vais pouvoir aider mon prospect. Et mieux je vais pouvoir vendre. Et la vente peut se passer de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines. Mais c'est en fonction de la personne. Donc, tant que la personne ne se décide pas, tu ne peux pas passer à l'étape de la vente. Parce que pour que la personne décide d'acheter, tu as besoin de passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de l'exploration. Tu vas explorer, aider le client à creuser sa douleur, à creuser toute la douleur qu'il a en allant chercher dans les besoins qu'il a. Quel est le besoin pressant qui doit être assouvi et maintenant? Donc ça, il faut creuser, creuser. Et comment on creuse? C'est en questionnant. C'est pas en donnant des conseils. Écoute, ben moi, je sais faire ci, je vais t'aider à faire ci, je vais t'aider à faire ça. En disant à ton prospect que tu vas l'aider à faire ci, tu vas l'aider à faire ça, c'est-à-dire tu lui dis que, en fait, je te parle de ce que moi, je te propose. Et le prospect va te dire, moi, c'est pas du tout ce que je cherche. Mais si tu questionnes, le prospect va te dire, voilà ce que je cherche, parce qu'il va te donner l'information. C'est comme si quand tu questionnes, tu dis à la personne, est-ce que je peux rentrer? Et la personne te dit, alors, je t'ouvre la porte, rentre. Et une fois que tu rentres chez la personne, ben, tu vas voir qu'il manque la télé, tu vas voir qu'il manque la radio, tu vas voir qu'il manque un canapé, tu vas voir qu'il manque une chaise, j'en sais rien. Tu vas voir qu'il manque des lampes, qu'il manque, j'en sais rien, des livres, qu'il manque des fleurs. Et tout. Mais il faut que tu arrives à rentrer dans sa maison. Mais si t'as jamais mis les pieds dans sa maison, tu vas dire, ah, écoute, vous savez, moi, j'ai des sofas, j'ai des machins, j'ai des ci, j'ai des ça. Ouais, c'est très bon pour la maison. Hein. Tu vas le mettre dans le coin de ton salon. Tu peux le mettre. Et bien, la personne te dit, bah, écoute, tu sais, ces trucs-là, c'est des trucs moches. Je les aime pas. Hein? Parce que finalement, tu sais pas prospecter. Et la prospection se fait parce que tu t'intéresses à la personne. Donc, tu creuses la douleur. Une fois que tu creuses la douleur, tu l'aides à imaginer, à visualiser son rêve. Une fois que la personne visualise son rêve, tu lui demandes l'autorisation que tu lui proposes un accompagnement qui peut l'aider ou quelque chose qui peut l'aider. Donc, tu ne rentres pas comme ça pour faire le schéma de vente. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la prise de contact. La prise de contact, pour la prise de contact, tu as besoin d'être sympathique, empathique, accueillant. Sympathique, quand je dis sympathique, c'est-à-dire que je ne parle pas de la sympathie où tu vas prendre tout le problème de la personne. Je parle d'une sympathie soft, en fait. C'est une manière d'expliquer, j'espère que tu vas comprendre. Une sympathie où tu te mets avec la personne, là, tu partages avec la personne ce que la personne ressent. Toujours en questionnant, pas en disant, en donnant des conseils, mais tu es là. Et la personne sent que tu es là à 100% pour elle.
empathique, donc tu te mets dans la peau de la personne vraiment pour pouvoir l'aider. Et accueillant, tu as besoin d'apprendre à accueillir les gens. Quelqu'un qui a un produit à vendre, dès qu'il arrive, il commence à parler de tous les bienfaits de son programme, tous les bienfaits de son produit, tous les bienfaits de son médicament, blablabla. Le client va avoir peur. Donc, il va se rétracter, il va s'enfermer. Mais si tu veux accueillir ton prospect, c'est de prendre le temps de questionner et par des questionnements bien spécifiques, des questions ouvertes. Ça fait l'affaire très bien. Question ouverte, c'est-à-dire que la personne va pouvoir se dévoiler, s'ouvrir. Si tu as des questions qui amènent le jugement, tu n'auras pas de réponse chez ton prospect. Le prospect va te dire autre chose que ce qu'il a vraiment besoin. Donc, tu as besoin d'être accueillant. Donc, question de Claire. Pour chaque niveau de besoin, il y a toujours un besoin pressant, urgent. Bien sûr, Claire, parce qu'on revient sur ça. Donc, l'être humain a un besoin vivre, aimer, apprendre et transmettre. Donc, ça, on va prendre ça, c'est la généralité. Mais dans la généralité, il y a de la vision. La vision, et chaque vision vont être une étape de ces cinq besoins dont Abraham Maslow en parle. Le besoin physiologique, ça va être une vision. Ben, j'ai besoin de manger. Toute sa vision, c'est que ben, il faut que je trouve à manger. Tant qu'il ne trouve pas un restaurant ou je ne sais pas, il ne trouve pas un magasin pour s'acheter à manger, tout ce qu'il y a dans sa tête, trouver à manger. Donc, ce qui veut dire que si toi, tu veux lui vendre, et je ne sais pas, un téléphone, un tableau, ben, il va te crier au secours, à l'aide, parce que celui-là, il me harcèle. Mais par contre, maintenant, une fois qu'il a mangé, donc du coup, il n'a plus faim, donc il va passer à côté d'un magasin de vêtements et il aime bien les vêtements, je ne sais pas, les grandes marques. À ce moment-là, il va rentrer. Donc, il va vouloir passer à un autre truc. Donc, maintenant, si la personne a besoin de sécurité, donc du coup, la personne a peur, elle a besoin de sécurité, et toi, tu veux lui parler de groupe, et, tu sais, il y a un club là, je t'invite à faire partie de ce club, donc tu vois, ça te coûte 10 000 $, machin, etc. Et il va crier au secours, tu lui harcèles. Donc, chaque besoin, à chaque niveau, la personne a un besoin pressant. Et quand je suis à mon besoin d'appartenance, c'est pressant. Et quand je suis à mon besoin d'estime, c'est pressant. Besoin d'accomplissement, c'est pressant. Et c'est ce qui va faire que. Moi, je veux parler maintenant là avec les coachs ou les thérapeutes, les formateurs. C'est ce qui va faire que les gens vont acheter ton programme que tu as à 15 000, 20 000, 5 000, 70 000, 100 000 euros, 1 million d'euros. Pourquoi? Quand les personnes sont à ce stade de besoin d'accomplissement. Quand les personnes sont à ce stade de besoin d'accomplissement et que tu comprends que la personne est à un stade de besoin d'accomplissement, tu peux lui proposer ton programme. J'ai un programme aujourd'hui que je propose à 70 000 euros. Je peux proposer le programme à 70 000 euros à un prospect sans aucun problème. Je peux aller jusqu'à 100 000 euros, jusqu'à 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros s'il le faut. Parce que j'ai saisi ce qu'il y a. Mais quand je suis avec quelqu'un qui est en phase de besoin de sécurité et que je veux lui proposer mon programme d'accomplissement, donc du coup, je suis out dans le processus. Et donc, je ne peux pas faire une prospection rapide. Ce n'est pas possible. Chaque niveau de besoin est en corrélation avec une vision. Une fois le besoin assouvi, il peut passer à un autre niveau de la pyramide. Exactement. C'est ce que je t'ai expliqué, Claire. Là, on va prendre les quatre besoins de l'homme, vivre, aimer, apprendre et transmettre, comme la globalité, comme la mission qui est globale. Donc, on va toujours avoir besoin de vivre, avoir besoin d'aimer, avoir besoin d'apprendre. Et la vision va être. Tout ça va être étape 1, besoin physiologique. Une fois que c'est bon, je change de vision. Donc, ma vision, c'est besoin de sécurité. Une fois que la vision est assouvie dans un temps donné, donc est accomplie dans un temps donné, je passe au besoin d'appartenance. Une fois que je suis à appartenance, je vais avoir besoin d'estime de soi. Une fois que je suis à besoin d'estime, je vais être au besoin d'accomplissement. Et être au besoin d'accomplissement, je vais être toujours en plus d'accomplissement. Et c'est ce qui va faire que des personnes vont investir dans un premier temps 10 000 euros, ils vont investir dans 20 000, 100 000, 200 000, 500 000. Et parfois, il y a des personnes qui vont prendre un programme. Et qui va prendre 30 minutes avec Tony Robbins pour 15 000 euros. 30 minutes de coaching. Il a un niveau de besoin d'accomplissement. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne boule pas les étapes quand on fait de la prospection. Si tu n'as pas la patience, fais pas de prospection, trouve-toi quelqu'un qui va le faire à ta place. Donc, voilà pour comprendre cette partie. Maintenant,
prise de contact, donc sympathique, empathique, accueillant. Et troisième chose, être dans son intérêt. Tu as besoin d'être dans l'intérêt de ton client, pas dans ton intérêt, pas en parlant que de ton programme. Ton programme ne sert à rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je le dis toujours à mes clients, ton programme ne sert à rien. On s'en fiche de ton programme. Alors, mais par contre, si tu aides ton client à acheter son rêve, ton programme devient de l'or. Donc, tu peux décider quel prix tu veux le vendre. Et moi, c'est un jeu que j'aime bien faire dans la vente, décider mon prix au dernier moment. Ok, je sais pas ce que je sais pas. En fait, je connais mes programmes, j'ai mes différents programmes avec différents tarifs. Mais je peux, dans un entretien de vente, décider par rapport aux besoins et comment la personne veut, où est-ce que la personne veut aller, ce que j'ai envie, je sais que je peux apporter à la personne et je vais mettre tout mon trip, tout mon cœur dedans parce que moi, j'accompagne les gens. J'accompagne pas les gens si je sens pas que je peux mettre mon trip dans ce que je vais faire. Et puis, ben, au moment de la vente, je décide de dire, écoute, ça te coûte 20 000 euros. Parce que je sais derrière ce que je veux faire. Ou je te dis, ben, ça te coûte 10 000. Ou ça te coûte 7 000. Pourtant, j'ai tous mes programmes avec un tarif. Pourquoi? Parce que j'ai appris à personnaliser tout ce que je fais. J'ai appris à personnaliser pour chaque client que j'ai en face de moi. Parce que je ne prends pas mon temps à vouloir penser à moi. Et ça arrive très souvent que je fais une prospection. La personne, je l'ai juste dit, je m'appelle Fadler Célestin, je suis coach. Et puis, il n'y a que ça. Et tout le reste, la personne parle. Et la personne ne sait pas forcément qui je suis. Mais je l'ai tellement bien servi, la personne se rend compte que ah ben, je n'ai même pas besoin de savoir qui elle est. Parce qu'on n'est pas là pour soi. Si tu fais un métier, ce n'est pas pour toi, en fait. C'est comme si tu me disais que tu es architecte et qu'en tant qu'architecte, bah, tu fais des plans de maison, tu fais de jolis dessins, des plans architecturaux, mais en fait, tu les gardes tout le temps dans ton salon et chez toi. Tu n'invites jamais tes amis à regarder, mais tu regardes ça, tu les admires toi-même. Ou tu es médecin, tu vois, tu fais la médecine pour t'opérer toi-même. Tu vois. Donc, même le médecin, j'ai une de mes clientes, donc son père est cardiologue et sa mère est ophtalmologue. Et récemment, on est dans un coaching et on est en train de discuter. Puis, et je lui ai dit, écoute, en fait, elle devait passer une étape difficile. Et puis, ben, j'ai pu prendre un exemple. De son père qui est cardiologue, qui a son cabinet de cardiologie. Puis je lui ai dit, d'accord, ok. Je ne sais plus exactement de quoi on parle, mais je lui ai dit, ok, est-ce que ton père a un médecin? Je sais que ton père, il est médecin. Est-ce que ton père a un médecin? Donc elle me dit, ben oui, il ne peut pas s'opérer tout seul. Quand il a mal, il peut pas s'opérer tout seul. Donc, je lui ai dit, mais donc, au final, donc, qu'est-ce que toi, tu penses que tu as besoin? Ah ben, j'ai besoin d'apprendre, d'accepter que les autres m'aident aussi. Donc, elle a tout de suite compris en prenant le schéma, parce que même son père qui est cardiologue, il va pas s'opérer dans le cœur tout seul. Donc, il fait la médecine pour les autres. Donc, toi aussi, ton produit est pour les autres. Même si tu vas utiliser ton produit de temps en temps, un médecin, il va pouvoir se prescrire des Doliprane parce qu'il a mal à la tête, parce qu'il est médecin, il peut détecter un symptôme, mais il ne peut pas tout le temps se dire, bah, écoute, je vais me guérir tout seul. Donc, comprends bien que quand tu es face à ton prospect, en fait, tu n'es pas là pour proposer ton programme qui est le programme miracle. En fait, il n'y a pas de programme miracle. Le programme miracle, c'est le client qui a le programme miracle. Parce que c'est le client qui va décider de ce qu'il souhaite et tu vas l'aider à trouver ce qu'il souhaite. Donc, le client va faire le miracle et va faire que ton programme, le prix de ton programme augmente. Donc, voilà pour que vous puissiez comprendre cela. Voilà pour terminer cette partie. Et ce que je dis, être dans son intérêt, donc lui dire la vérité, l'écouter et... Alors, ne pas... étonné. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Du coup, ouh, désolé. Donc, c'est ne pas t'étonner je voulais écrire ne pas t'étonner, mais j'ai écrit je pas t'étonner. Okay. Ne pas t'étonner de ses réactions.
En fait, les réactions de ton prospect, tu n'as pas besoin à t'étonner. Si ton prospect pique une crise, ce n'est pas grave. Si ton prospect si ton prospect t'injure, j'en sais rien, moi, ce n'est pas grave. Si ton prospect te tourne le dos, il ne te parle plus, ce n'est pas grave. Va dans ton coin pour te poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il a fait ça? Et donc, ne t'étonne pas de ses réactions. Si ton prospect te dit que ton programme est trop cher, c'est pas grave parce que c'est peut-être pas ton prospect, c'est peut-être pas ton client idéal. Si ton prospect te dit, voilà, ne t'étonne pas de ce qui va arriver. Occupe-toi de la personne et point. Et tu verras ta vente exploser. Voilà. Ensuite, comment rester centré sur ses objectifs de vente? Question de Blandine. Quand et comment faire de la prospection qui convertit? Donc, les deux questions de Claire et de Blandine. Ça, c'est deux questions de Claire et de Blandine que je fais en question en un. Alors, rester centré sur sa vente. Alors, je vais vous dire comment rester centré sur sa vente. C'est d'avoir confiance. Avoir confiance, c'est d'abord, c'est d'être clair avec toi-même. Tu dois être clair avec toi-même. Tu dois être clair dans ta vision. Hein? Être clair dans ta vision. Tu sers le client et tu étends ta vision trois fois gagnant. Qu'est-ce que j'ai dit là? Trois fois gagnant. Objectif. Tu as besoin d'avoir des objectifs pour ton client. L'objectif pour ton client, ce sont ses objectifs à lui que tu vas l'aider à trouver et identifier. C'est-à-dire l'aider à comprendre son vrai besoin, l'aider à sortir de ces idées fausses en pensant qu'il a besoin d'appartenance, mais pourtant c'est faux. Tout ce qu'il a besoin, ça, il est encore en étape de besoin de sécurité. Mais toi, si tu vas lui vendre un besoin d'appartenance, c'est normal qu'il ait des objections. Ah ben, je vais réfléchir. Je vais en parler je vais voir. Je te rappellerai dans 3 mois. Mais si tu l'aides à comprendre que son besoin est un besoin de sécurité, il va dire, ah d'accord, c'est ce que j'ai vraiment besoin. Donc, tu as besoin de comprendre qu'on ne boucle pas les étapes si tu comprends ce schéma. Donc, objectif pour le client, objectif pour toi. C'est-à-dire, ton objectif pour toi, tu as besoin de définir ce que tu veux pour ton business. Avec qui tu veux travailler et combien tu veux vendre tes produits. Et pourquoi tu veux la vendre à ce prix-là. Donc, être clair dans tes objectifs. Et combien de clients tu veux avoir? Combien d'argent tu veux faire? Et ensuite, objectif pour toi, donc c'est l'objectif personnel de tout ce que tu souhaites personnellement et aussi dans ton business aussi, professionnellement, etc. Et objectif pour ton entreprise. Où est-ce que tu veux emmener ton entreprise? Quelle est la vision que tu as? Et voilà, ensuite, c'est aller vers ton don ultime. La meilleure façon de rester centré sur ses ventes, c'est aller vers ton don ultime. Don ultime, vocation, sweet spot. Donc, ultime vocation sur ce pote. Et cela t'amène à une vision claire. Si tu as une vision claire, tes ventes, tu resteras dessus. Moi, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit que mon programme est cher que je vais lui dire, écoute, je vais te le vendre à 1 000 euros. Quoi? Tu le trouves cher? Tu le trouves ça? Ok, pas de problème. C'est bon, merci. Et je n'ai pas besoin de te dire plus. Le client qui va acheter ton programme peut ne pas avoir l'argent pour acheter ton programme le plus cher, mais ne dira jamais que ton programme est cher. Il va peut-être te dire, je vais attendre. Ou peut-être il va te demander, est-ce que tu peux m'aider dans un autre programme? Mais il ne va pas te dire que ton programme est cher. Si tu dis que ton programme est cher, c'est que lui-même, tu ne l'as pas aidé à comprendre son vrai besoin. Et à partir du moment où tu l'aides à comprendre son vrai besoin, tu es capable, il va juger ton programme autrement. Donc, voilà. Donc, tout ça t'amène à ça. Maintenant, parlons comment organisez-vous le suivi de votre prospection. Donc, c'est Dominique Corsi. Dominique, pour organiser ta prospection, tu as besoin d'une vision claire. Une vision qui est quantifiée et qualifiée. Donc, une vision qui est quantifiée et qualifiée est une vision qui est spécifique, mesurable, attrayante, réalisable, temporelle. Et tu as besoin d'une mission. La mission, c'est quel est ton problème à résoudre? Si tu comprends que ton problème à résoudre,
est ça. Et si tu veux, ça te porte dans tes tripes que tu veux être convaincu, tu vas chercher la meilleure façon de t'organiser. L'organisation, c'est en fonction de comment tu fonctionnes. Encore une fois, je remonte à ton ultime vocation et sweet spot. Ta manière d'être est unique. Tu es une personne unique. Tu as besoin de trouver ce qui fonctionne pour toi et ce qui marche pour toi et de l'appliquer. Donc, dans ton organisation. Michael, très souvent, on se bloque nous-mêmes sur le prix. Oui, pourquoi on se bloque sur le prix? Parce que on n'a pas la vision claire. Et parce que, là, je vais revenir sur la question de Blandine, on n'a pas confiance. Et quand on n'a pas confiance, c'est parce que on n'est pas clair sur notre produit. On n'a pas suffisamment d'assurance sur notre produit. On ne croit pas trop en notre produit. Si tu ne crois pas dans ton programme, donc tu ne le vends pas. Tu ne le vendras jamais. Et tu ne le vendras jamais au bon prix. Tu vas le brader à chaque fois. Et après, tu vas être frustré et fâché. Alors, j'ai sauté la question de Claire. Je vais revenir avant de reprendre Dominique Cancé. Quand et comment faire de la prospection qui convertit? Alors, quand et comment faire de la prospection qui convertit? La prospection qui convertit, tu vas le faire quand tu comprends ce que j'ai répondu en haut. Tu comprends que tu as le produit qui résout un besoin clairement et dans la vie des gens. Tu as un produit que tu vas pouvoir partager uniquement aux personnes qui portent de l'intérêt parce qu'ils ont ce besoin. Et tu as un produit qui est axé changement, sentiment, réalisation, rêve, bien-être, accomplissement. Donc tout ça, c'est des produits qui vont marcher pour le client. Donc voilà, pour répondre à la question de Claire. Donc le prix. On va être bloqué sur le prix, c'est une question de mindset, c'est une question de positionnement personnel. Et les personnes qui ont du mal avec leur prix, on va comprendre, eux-mêmes, ils ne sont pas positionnés. Donc voilà. Donc, je dis ça, c'est peut-être dur ce que je dis, mais on a besoin, quand on est entrepreneur, d'arrêter de nous mentir. Voilà. Donc, vision claire, mission, désolé. Quel est ton problème à résoudre? Donc, quel est ton problème à résoudre? Focus. Donc, la mission va t'aider à répondre à quel est ton problème à résoudre. Donc, ton problème à résoudre, c'est ça, ça, ça. Et donc, tu crées la vision avec. Ma vision, c'est d'avoir 10 prospects. Et si j'ai 10 prospects, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour avoir 10 prospects? Comment je prospecte tous les jours pour avoir 10 prospects? Et 10 prospects, quand j'ai 10 prospects, qu'est-ce que je peux faire pour les gérer? Etc. Etc. Alors, le focus va t'amener à quoi? Le focus à ta vision t'amène à la question du pourquoi. Qui, où et comment? Le pourquoi, ça t'aide à répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que tu veux avoir des prospects? Le quand, les dates d'action. Le qui, c'est le persona. Qui, quel prospect tu veux atteindre? Le où, c'est le lieu. Donc le lieu, ça peut être n'importe où. Internet, le voisin de palier, voilà. Comment? Les actions. Quand on est dans le comment, on est dans les actions. Le plan. Alors, un plan n'est pas nécessaire, mais planifier, c'est ultra important. Donc, au final, tu as besoin de faire un plan. Donc, outils. Donc, une fois que pour le plan, tu as besoin d'outils. Comme outils, une fois que tu as ta liste de prospection, tu peux faire une liste. Tu peux utiliser Google Drive, donc un document Google Sheet ou Google Doc ou peu importe ce que tu veux utiliser. Donc voilà, donc tu peux utiliser ces éléments-là, ces outils-là. Evernote, moi j'aime bien Evernote parce que Evernote, ça me permet de même de travailler, de faire des matrices, des matrices d'Eisenhower, des choses comme ça qui peuvent m'aider vraiment à bien et planifier ma prospection, et puis une manière très simple, très sympathique d'écrire mes notes et de les trouver facilement par bloc, et puis le nom de mes prospects. J'aime bien Evernote parce que
quand je prospecte, même prospect froid, prospect chaud, etc., etc., j'ai une liste, donc je peux faire avec Evernote, donc mes prospects froids, mes prospects chauds, etc. Et quand je prospecte, surtout sur LinkedIn, donc j'ai mes rendez-vous, parfois quand j'ai mes rendez-vous même, je vais utiliser Evernote pour prendre des notes, etc. Donc c'est un outil que j'aime bien, je l'utilise avec Google Drive, donc en tout cas, Evernote est très top pour moi. Donc c'est mon outil préféré. Et donc voilà. Un carnet. Imagine que tu n'aimes pas Internet, tu n'aimes pas prendre des notes sur ordinateur. Ben, trouve-toi un carnet. Moi, j'en ai des dizaines qui sont écrits, remplis chez moi. Parce que j'écris beaucoup toutes mes pensées, tout ce qui se passe par la tête, je les mets sur un bout de papier. Donc au lieu de les mettre sur un bout de papier, de les perdre, donc j'ai toujours un carnet avec moi partout où je passe. Donc ce qui veut dire que tu peux faire ta liste dans un carnet et tu peux faire ton programme avec dans le temps qu'il faut. Donc, alors, est-ce qu'il faut déjà avoir acheté un programme au tarif de ce qu'on vend, investissement sur soi déjà, avant d'investir cette somme pour pouvoir mieux vendre son offre de prestation? Claire, je te dis déjà, je te dis ça, c'est une fausse croyance qu'on a. Il faut que je puisse d'abord moi-même acheter telle chose pour pouvoir l'investir. La question, c'est la volonté que tu as. La volonté que tu as, si tu es déjà convaincu dans ta tête, le faire n'est plus un problème. Et si, encore une fois, tu connais ton don ultime, tu connais ta vocation, tu es dans ton sweet spot, tu n'as pas besoin de passer de 0 à 1, de 1 à 2 et de 2 à 3. Tu es dans ton sweet spot. Dans ton sweet spot, c'est là où tu es bon, tu es ultra compétent, tu es ultra passionné, tu es dans là où tu es unique, dans ton don ultime. Donc, ce qui veut dire que quand tu es dans ton don ultime, quand tu découvres ton don ultime, quand tu connais ton don ultime, quand tu sais que tu es compétent dans un domaine, tu es ultra compétent, tu es passionné, eh ben, le problème, la question de je dois d'abord acheter un programme qui coûte cher pour pouvoir vendre un programme qui coûte cher, ne se pose plus. Parce que tu es expert dans un domaine à ton niveau. Donc, si tu connais ton niveau, au travers de ton don ultime, ton sweet spot, ta vocation, tu vas, de ton niveau, vendre et évoluer au fur et à mesure. Et plus tu vas prendre des compétences, et plus tu vas pouvoir évoluer, évoluer, mais ce n'est pas une question de prix. C'est pas une question de prix. Le prix, ce n'est rien. C'est ce que la personne a besoin qui est important. Ce que la personne a besoin, une fois que la personne sent c'est vraiment ce qu'il a besoin, le prix ne n'intéresse pas trop la personne. Regarde bien. Pour ceux qui ont des enfants, imagine que ton enfant, il lui arrive quelque chose. Mais tu as besoin d'une somme d'argent. Voilà, il te le faut. Ben, c'est ton enfant, du coup, tu vas faire tout pour trouver cette somme d'argent. Tu te poses plus la question, oh, est-ce que j'ai cette somme d'argent? Je ne l'ai pas, ben, je vais laisser mon enfant périr. Mais non, c'est ton enfant, tu vas faire tout ce qu'il faut. Tu vas frapper dans toutes les portes, tu vas dire tout ce qu'il faut, parce que c'est ton enfant, tu vas te battre. C'est pareil. Quand le client sait ce qu'il veut, et quand tu sais en quoi tu peux servir ton client, le prix, c'est plus un problème. Ben écoute, je te dis, ben voilà, ok, c'est ce que tu as besoin, d'accord. Est-ce que tu m'autorises à ce que je te parle de ce que je peux te proposer pour t'aider à réaliser cet objectif? Ouais. Bah écoute, ça te coûte 20 000 euros. Ok. D'accord. C'est pas un problème. Et si la personne ne peut pas trouver, donc il va te dire, ça ne veut pas dire que voilà, il faut, ouais, si, ouais, pourquoi tu ne peux pas lâcher, c'est vrai, c'est parce que tu n'as pas vraiment besoin de ça, machin, etc. Tu ne vas pas culpabiliser la personne si la personne ne peut pas le faire, mais tu es clair avec toi-même. Donc, Mike, il a dit, je commence à pouvoir les assumer avec le temps et l'expérience. Ben oui, assume, Mike. Assume parce que ça c'est important.
Parce que si tu fais ce que tu fais, tu ne le fais pas pour rien. Parce que si tu le fais, il faut être clair avec soi-même sur ce que je fais. Sinon, tu ne le fais pas. Voilà. Maintenant, le plan. Donc, tu peux utiliser Evernote, un carnet, une automatisation, mail automatique. Et puis, ben voilà, vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise ConvertKit. Moi, ConvertKit, ce que j'aime avec, c'est que tu peux faire des feeds RSS, tu peux faire des feeds, tu peux faire des automatisations, des broadcasting, tu peux vendre tes produits. Donc j'ai même, en fait, aujourd'hui, j'utilise plusieurs outils, j'ai ma boutique un peu partout. ConvertKit, j'ai une boutique sur ConvertKit, j'ai une boutique sur mon site internet, en fait, j'en ai un peu partout parce que je ne veux pas avoir de problème pour livrer mon produit. Ton produit doit être facile à livrer, ultra rentable pour toi et irrésistible pour le client. Donc, du coup, ben, quand j'ai un programme irrésistible, je veux pas avoir, je ne sais pas où est-ce que qu'est-ce que je peux faire. Donc, je trouve de partout pour vendre mon programme sans encombre. Donc, voilà, utilise des outils d'automatisation donc pour pouvoir gérer tes prospections et faire des fiches de prospection. Des fiches de prospection en fonction de tes ventes aussi. Des fiches de prospection en fonction de tes ventes. Fiches de prospection. Donc, les fiches de prospection te permettent tout simplement de pouvoir sélectionner en fonction des réseaux sociaux qui tu vas contacter. Par exemple, moi, j'ai mes fiches de prospection en entreprise, donc je sais que je vais sur LinkedIn. Fiches de prospection pour entrepreneurs, je suis sur Facebook, LinkedIn, je suis un petit peu partout. Donc, je vais me dire, bon, OK, donc sur cette fiche de prospection, je vais prendre 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes par-ci, 10 personnes par-là, et je vais les contacter. Donc, du coup, ça me permet de faire un planning. Donc, voilà. Et ce que tu as besoin, Dominique Corsi, c'est ce que moi j'appelle le MSOM. Le MSOM, c'est quoi? Une méthode, un système, des outils et le mindset derrière pour s'organiser. Et organise-toi en fonction de ce qui marche pour toi, pas en fonction de ce que les autres font. Moi, ça ne marche pas pour moi quand j'utilise ce que les autres font. Je m'inspire de mes pairs. Je fais à ma manière, comme je veux. Parce que ça ne marche pas quand je fais ce que les autres font. Je vais commencer pendant 2 jours, 3 jours. Au bout d'un moment, j'arrête, j'abandonne parce que ce n'est pas pour moi. Donc, et c'est aussi moi ce que j'apprends à mes clients à faire. Fais pas comme je fais, en fait. Fais comme toi, tu dois faire. Point. Sois unique parce que tu l'es. Tu le seras toujours. Voilà pour tout ça. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Dernièrement, j'ai expérimenté cela. La personne avait un besoin et le prix l'importait peu, le client dont je rêvais d'avoir. Mais c'est ça, en fait, qui est formidable, Mike. Parce qu'en fait, le client que tu rêves d'avoir, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que le client que tu veux avoir, c'est ton attitude qui va t'amener ce client que tu veux avoir. C'est pas, tu l'envoies plein de messages et j'ai un produit à vendre là, ça t'intéresse? Est-ce que tu connais quelqu'un qui veut l'acheter? Tu l'envoies. Non, mais ton client, il est à côté de toi. Mais c'est l'attitude qui va faire ta prospection soit réussie. Donc, arrête, si tu arrêtes de prospecter dans tous les sens parce que ben, tu veux à tout prix vendre ton produit, tu verras que les gens viendront plus facilement. Et faire signer quelqu'un, c'est plus un problème. Et moi, c'est vraiment pas mon problème. La personne signe ou signe pas, c'est pas grave, c'est cool. Ça veut dire que là, je viens de faire un premier entretien, ben ça n'a pas donné de résultat. Boum, je sais que je vais avoir une autre qui va m'acheter un programme. Et du coup, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut prendre plaisir dans ce que tu fais d'abord, dans ce que tu es, dans ce que tu peux apporter, de qui tu es, point. Et puis, le reste, tu sers le client. Tu sers et tu sers. Tu questionnes pour avoir. Réponse. Quand on connaît sa valeur, le tarif n'est plus un problème. Exactement, Claire. Quand on connaît ce qu'on. Ce qu'on, ce qu'on... En fait, l'idée, c'est d'apprendre à connaître la plus petite chose que tu as. Être fier de ça. Et puis, être ouvert pour apprendre. Être libre pour faire ce que tu as à faire. Et arrêter de laisser les autres te fassent des leçons inutiles. Voilà un petit peu pour vous ce soir. Donc, alors, vous m'avez posé 10 questions. Et 10 questions, je n'ai pas répondu à toutes les 10 questions. Donc,
Je ferai d'autres lives sur sa question, mais en même temps, je me suis dit quelque chose, pouvais vous proposer quelque chose à ceux qui aimeraient développer leur prospection. Alors, si ça vous intéresse, vous allez me dire dans le chat si ça vous intéresse. Et si ça ne vous intéresse pas, bon voilà, je ne le ferai pas et puis c'est bon, c'est fini. Donc, c'est plus simple comme ça. Donc, alors, moi, ce que j'envisage, donc vous êtes dans le groupe, si ça vous intéresse, je peux vous proposer un coaching et formation de groupe sur la prospection. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'avec ça, je peux vous faire des exercices en direct. Je prends des groupes, je vous fais faire des exercices de prospection. Moi, on peut faire des jeux de rôle. Jeu de rôle, je suis un prospect, tu es un vendeur. Je suis un vendeur, tu es un prospect. Et comme ça, toi, tu vas choisir quelqu'un d'autre dans le groupe. Donc, pour cela, je vais avoir besoin d'au moins une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes qui veulent faire ce programme avec moi. Donc, c'est un programme sur une semaine. Ça ne va pas être une semaine tout. Ça va pas être une semaine tous les jours, du lundi au vendredi. Mais ça va être une semaine. On peut travailler sur deux, trois séances de formation. Et vous aurez des actions à faire dans la semaine. Donc, sur une semaine. Donc, je vous aiderai à travailler sur votre prospection, à avoir l'esprit de closer. Un closer libre. Un closer libre, en fait. Si tu n'es pas libre dans ta vente va être trop, trop, trop compliqué. Donc, sois un prospect libre. Donc, si ça intéresse des gens, et là, j'aurais besoin d'une dizaine de personnes minimum pour pouvoir le faire parce que je vais faire des jeux de rôle, je vais prendre des binômes pour faire ça, pour faire de plein d'exercices et que vous allez pouvoir mettre en pratique votre technique de prospection et travailler le mindset surtout, parce que moi, en tant que coach, je vais être là comme observateur, comme celui qui va chercher de l'information chez vous pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui vous bloque dans votre prospection. Et à partir de là, vous allez pouvoir mieux apprendre à développer votre prospection. Donc, si ça intéresse des gens, vous le mettez dans le chat, vous me dites que si ça vous intéresse. Et si personne ne répond, affaire clos, boum, c'est fini et on passe à autre chose. Donc, ce serait une formation, je le dis, sur une semaine. Donc, ça peut être une semaine. Donc, j'ai eu l'idée tout à l'heure pendant que je préparais ce mind mapping. Et puis, je me suis dit, OK, ben, ça peut être intéressant. Donc, si ça intéresse des gens, donc, vous me dites, donc, au moins une dizaine de personnes. Et à partir de là, je parlerai le tarif avec vous. Donc, ce sera un tarif qui sera vraiment abordable, très, 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 très sympathique comme tarif et que ben, n'importe qui pourra se le payer. Oui, ça sera via Zoom. Ça sera via Zoom. Donc, ce sera Zoom Réunion. Ce ne sera pas Zoom Webinar. Zoom Réunion. Donc, vous serez en réunion avec moi. On va passer une semaine. Donc, dans les semaines, on aura deux ou trois Zooms, mais avec des travaux pratiques pendant la semaine. Et vous allez pouvoir mettre en pratique tout ça et vraiment passer sur une action de pouvoir faciliter, simplifier votre mode de prospection. Donc, voilà. Donc, j'attends de voir les gens qui seraient intéressés. Et puis, ben, à ce moment-là, moi, je parlerai de tarifs. Je sais déjà combien je propose pour ça sur une semaine d'accompagnement. Et donc, voilà. Blandine, ça m'intéresse. Claire, ça m'intéresse. Donc, ça fait deux personnes déjà. Donc, du coup, je note ça, deux personnes. Donc, ça, il faut que je trouve 10 personnes qui seraient intéressées pour le faire. Donc, je vais peut-être faire une publication à la suite. Donc, pour ceux qui connaissent, si vous connaissez des gens, vous voulez que ce programme ait lieu. Donc, moi, je pourrais l'organiser et comme ça, on fera ça sur une forme de stage pratique, vraiment stage pratique sur une semaine. Donc, on va pouvoir travailler sur tout ce qui est prospection et mettre vraiment ça en pratique de manière concrète. Donc, voilà. Pour vous ce soir, c'est génial. Donc, j'espère s'il y a d'autres questions, je les prends. Et s'il n'y a pas d'autres questions, ben, écoute, j'espère que ça vous a été utile. Et donc, et merci à Blandine pour avoir posé ces questions. Et j'espère avoir répondu au maximum à ce que tu avais besoin, Blandine. En tout cas, bon, les 10 questions, ça aurait été trop long pour répondre aux 10 questions. Donc, du coup, j'ai fait une sorte de condensé de tout ça. Et donc, voilà, j'espère que j'ai répondu aussi à Dominique Corsi sur ces questions. Et puis, donc, voilà. Donc,
Les deux personnes intéressées, ben écoute, invitez des gens, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, comme ça vous serez 10 personnes au minimum et on pourrait éventuellement créer et organiser ce stage de prospection donc de manière plus attractive et plus riche pour vous. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir. Je te dis à bientôt. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, on se dit à bientôt. Et puis, cool.